ici à Goma se justifie par le fait de représenter l'honorable Patrick Lumumba, parce qu'il est empêché à cet événement. L'honorable est encore à Kinshasa avec son excellence, monsieur le gouverneur Kalinza Mutasibita, pour d'autres contacts politiques très importants aux intérêts, par rapport aux intérêts de la province. Alors c'est pour cela que je devais être là en tant que son assistant pour écouter tout ce que le ministre va dire et en savoir comment sensibiliser la population bénéficiaire de ces grands projets d'appui aux petites et moyennes entreprises. Le message que je lance aujourd'hui au nom de l'honorable Patrick Lumumba est que les entrepreneurs, par rapport à l'événement d'aujourd'hui, les entrepreneurs, hâtez-vous, allez vous enregistrer dans des sites qui sont déjà informés, allez vous enregistrer. Le ministre a bien dit que ce projet n'est pas un projet de politiciens. Ce projet, c'est un projet de la population. Aucun politicien ne vous trompe pour dire que non, venez, vous êtes ma base, moi je vais vous brancher pour qu'on puisse vous sélectionner. Non, jamais. C'est un projet de l'État. C'est l'argent que l'État a bénéficié auprès de la Banque mondiale pour financer les petites et moyennes entreprises à Goma. Goma est sélectionné parmi les 4 autres villes dans la République démocratique du Congo. Donc, nous remercions les efforts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous remercions les efforts fournis par notre gouverneur compétent, Karine Zanzoukassivita, qui ne cesse d'entreprendre les lobbying par-ci, par-là, à l'étranger, à Kinshasa et partout, pour que la ville de Goma puisse redorer son image au niveau des infrastructures, au niveau de l'entrepreneuriat et en conclusion, améliorer les conditions de vie socio-économique de toute sa population.